Deux événements, chers téléspectateurs, vont me fournir la matière du sujet que je vous propose aujourd'hui. D'une part, c'est le 500e anniversaire du départ de Magellan pour son voyage de circumnavigation, la première réalisée autour de la Terre, et d'autre part, la réédition par les éditions Chandaigne du journal de voyage d'Antonio Pigafetta qui nous a rapporté justement les détails de cette expédition. Magellan, en effet, est parti en septembre 1519 de Sanlúcar de Barrameda, à l'est de Séville, avec un équipage de 237 hommes, avec 5 navires. Et l'affaire se terminera mal, on le sait pour lui, puisqu'il sera tué dans l'île de Mactan en 1521, et que seul un navire, avec seulement quelques hommes d'équipage, commandé par Sébastien Elcano, réussit à rallier l'Espagne en 1522 après avoir réalisé le premier tour du monde. Alors dans quel contexte se situe cette aventure? Il y a eu toute la bagarre pour la route des Indes qui a été gagnée par les Portugais, on le sait, patiemment, méthodiquement, en longeant les côtes de l'Afrique, en franchissant le Cap des Tempêtes, devenu ensuite le Cap de Bonne-Espérance, et Vasco de Gama a rallié la péninsule ibérique, le Portugal en l'occurrence, aux côtes occidentales de l'Inde. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr en 1492 la découverte du Nouveau Monde, des Indes occidentales, ou tout du moins c'est ce que l'on pense à l'époque. Et puis après la découverte de Colomb, d'autres voyageurs, Pinson, Ojeda, Amerigo Vespucci, ont précisé le tracé des côtes américaines, en partie tout du moins. Et puis en 1513, Antonio de Balboa a traversé l'isthme de Darien à hauteur de l'actuel isthme de Panama et il a découvert ce que l'on appelle alors la Grande Mer du Sud qui deviendra plus tard l'océan Pacifique. Et dès lors se pose la question de la liaison qu'il faudrait établir entre l'océan Atlantique d'une part et cette Grande Mer du Sud. On va rechercher un passage qui permette de gagner par l'ouest les Indes, hein, puisque sur la route qui est utilisé jusque-là, les Portugais, du fait du partage établi en 1494 à Tordesillas sous l'égide du pape, eh bien les Portugais ont le monopole du trafic dans l'océan Indien. Donc il y a un intérêt majeur évidemment d'ouvrir une autre route en partant vers l'ouest. Et cette aventure, eh bien elle va être mise en œuvre par un personnage hors du commun, Fernão de Magalhães, que nous connaissons sous le nom de Magellan, issu de la petite noblesse portugaise, né à Porto en 1480. Il a été page de la reine Éléonore du Portugal. Il est entré dans la marine en 1504. En 1505, il participe à l'expédition d'Almeida vers les Indes orientales, participe à la bataille de Cananor l'année suivante, où il est blessé, rapatrié au Portugal. Il repart en 1507. Puis ensuite, en 1509, il est de l'expédition de Diego López de Sequeira en direction de Malacca. Là, il s'illustre en déjouant le piège qu'un potentat local avait voulu tendre aux Portugais. Il va réussir à limiter la casse en ramenant un maximum d'hommes à bord des navires, même si un tiers de l'effectif a été perdu. Mais à cette occasion, il a sauvé Francisco Serrao, qui restera un ami et qui jouera un rôle important dans ses entreprises ultérieures. Il participe au siège de Goa en 1510, à l'expédition contre Malacca en 1511. Et à cette date, eh bien, la fin du trafic musulman des épices est actée. Désormais, l'océan Indien va devenir un lac portugais pour plus d'un siècle, ou à peu près un siècle. Il s'agit maintenant de conquérir Amboine, Ternate, Tidore, dans les îles Moluques, riches en
Ebis. Et là, je l'ai dit, Magellan s'est lié à Francisco Serrao, qui s'est retrouvé grand vizir du roi de Ternate, et qui invite Magellan à le rejoindre. Et déjà, on commence à imaginer d'emprunter une autre route que la route des Indes habituelle, passant par l'océan Indien. On songe à emprunter une route passant par l'ouest, sachant que cela pose d'emblée un certain nombre de difficultés, puisque cette route, évidemment, traverserait des territoires qui, par l'accord de Tordesillas, sont sous l'autorité espagnole. Toujours est-il qu'en 1512, Magellan est de retour au Portugal. Il va recevoir une modeste pension de chevalier, tout cela pour sa seule présence à la cour. En 1513, il va toutefois combattre les pirates marocains. Il est blessé au genou. Il va être victime d'un certain nombre de cabales à la cour. On va l'accuser de prévarication. On va l'accuser même de désertion. Tout cela à tort. On finira par lui rendre justice. Mais tout cela engendre chez lui évidemment une très grande amertume. D'autant que le roi refuse d'augmenter sa pension et ne lui donne pas non plus de nouvelles missions à accomplir. De même que le roi Jean II avait éconduit Colomb quelques années plus tôt, eh bien le roi Manuel laisse de côté donc Magellan qui boude impatience de se lancer dans de nouvelles aventures. Alors finalement, il demande au souverain l'autorisation de servir un souverain étranger, ce qui lui est accordé, ce qui en dit long sur le peu de cas que faisait le roi du Portugal de ce chevalier Fidalgo qui ne demandait qu'une chose, c'était de servir son souverain. Il a à l'époque 35 ans, il est de fait disgracié, mais il a rencontré le géographe Ruy Falero qui lui parle d'un éventuel passage au sud de l'Amérique, en fait l'estuaire de la Plata, qui avait été reconnu au cours des années précédentes. Alors finalement, Magellan fait le choix de partir pour l'Espagne, pour aller vendre son projet d'ouverture d'une route vers les Indes en passant par l'Ouest, en allant au-delà donc du Nouveau Monde découvert par Colomb. Et il y a un argument à faire valoir, c'est que le traité de Tordesillas a fixé une limite entre les possessions portugaises et espagnoles, et il laisse entendre aux Espagnols qu'au-delà de Malacca, eh bien les archipels que l'on pourrait découvrir pourraient correspondre à la zone réservée à l'Espagne. En 1517, le voilà donc parti pour l'Espagne avec l'esclave Enrique qu'il avait ramené de Malaisie. En Espagne, le jeune Charles Ier de Castille vient tout juste de s'installer. C'est un prince qui vient des Pays-Bas. Il sera donc quelques années plus tard Charles V, Charles Quint, empereur germanique, mais pour le moment il est roi de Castille. Magellan va se rendre à Séville, mais la cour est à Valladolid. À Séville, la Casa de Contratación, la Casa de Indias rejette les propositions de Magellan, mais Juan de Aranda se déclare favorable lui et recommande le marin pour qu'il puisse rencontrer le roi à Valladolid, et Magellan et Ruy Falero sont reçus dans le cadre d'un conseil de la couronne où le cardinal Fonseca, qui jadis avait été hostile à Colomb, va écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'il propose. Et le résultat, c'est qu'en mars 1518, un contrat est conclu avec la couronne, avec le roi de Castille, donc Charles Ier. On prévoit que les navigateurs qui vont partir vers l'ouest récupéreront un vingtième des revenus tirés des nouveaux territoires découverts, qu'ils ont le droit exclusif de navigation dans ces régions pour 10 ans, qu'ils auront le droit de récupérer deux îles pour leur propre gouvernement, enfin pour leur propriété, si on en découvre plus de 6 toutefois. Ils vont être de plus nommés gouverneurs des nouveaux territoires. En plus, pour mettre en œuvre tout cela, la couronne prévoit de mettre à la disposition de Magellan 5 navires avec les équipages correspondants, les vivres correspondants et tout cela payé pour 2 ans.
Le problème, c'est qu'il est difficile de trouver des volontaires pour s'engager sur des routes qui sont encore très peu connues. En plus, il faut compter avec les manœuvres de l'ambassadeur portugais qui entretient à Séville, par divers agents, une agitation visant à compromettre la mise sur pied de l'expédition. En plus, Faleiro, le géographe qui avait mobilisé Magellan, va faire défection, peu soucieux de s'embarquer dans une aventure qui paraît des plus risquées. Mais 17 mois après que le roi Charles Ier de Castille a donné son accord, le 10 août 1519, l'Armada va quitter Séville. Elle va descendre le Guadalquivir pour gagner Sanlúcar de Barrameda et de là prendre la mer. 5 navires, on l'a dit, le San Antonio, la Trinidad, la Concepción, la Victoria et le Santiago, avec à la tête de chacun d'entre eux un commandant espagnol, à l'exception de la Trinidad, qui est le vaisseau amiral directement aux ordres de Magellan. On a des vivres pour 2 ans, on emmène de la pacotille, des miroirs, des clochettes pour donner aux éventuels indigènes que l'on va découvrir en échange de l'or et des épices que l'on espère récupérer. On a 48 canons, donc une puissance de feu tout à fait respectable pour faire face à quelques dangers que ce soit. En plus, un arsenal classique, évidemment, d'arquebuses et autres moyens pour parer à toute éventualité. Le problème, c'est que les relations entre l'amiral d'origine portugaise et les capitaines espagnols vont très vite se détériorer, hein, notamment avec Juan de Cartagena et puis Luis de Mendoza. Ils sont animés de préjugés lusophobes et très vite des conflits vont apparaître. On a filé vers les Canaries, profitant des alizés. On a fait escale aux Canaries et puis ensuite on a fait route au sud. Mais là, on a rencontré les calmes plats équatoriaux. On perd du temps, la crise commence à naître entre l'amiral et ses subordonnés, il destitue Juan de Cartagena, le remplace à la tête du San Antonio par Antonio de Coca, mais rien n'est réglé pour autant. Toutefois, en novembre 1519, le 19 novembre, on est en vue des côtes brésiliennes et le 13 décembre, eh bien, c'est la baie de Rio qui apparaît donc aux navigateurs et qui évidemment les surprend. Paysage grandiose que décrit Pigafetta, le chroniqueur italien originaire de Vicence qui nous a laissé le récit de l'expédition. Amerigo Vespucci déjà avait reconnu cette côte brésilienne. Le naturel que l'on découvre apparaît tout à fait pacifique. On va faire escale là pendant 13 jours, mais il ne faut pas s'attarder, car du fait du traité de Tordesillas, on se retrouve dans la zone réservée aux Portugais. Et cela pourrait être à l'origine, évidemment, d'un conflit. Donc on file vers le sud, où selon la carte de Martin Behaim, eh bien, on pense trouver le fameux passage qui mènera vers la Grande Mer du Sud. On va passer à hauteur de Montevideo, hein, on va d'ailleurs baptiser le lieu à cette occasion, puis on va entrer dans le Rio de la Plata. Ce n'est en fait qu'un grand golfe. Pendant 15 jours, on envoie des reconnaissances pour explorer ces rives, mais on se rend compte au final qu'il s'agit d'un estuaire gigantesque d'un fleuve que l'on baptise le Rio de Solis. Mais l'expédition se retrouve remise en question parce que les intuitions de Rui Faleiro, le géographe qui avait inspiré Magellan, se sont avérées fausses. Alors, que faire? Eh bien, il faut aller plus loin vers le sud pour trouver un éventuel passage, mais on est là dans l'incertitude, évidemment, la plus totale, à un moment où l'été austral commence à toucher à sa fin. Magellan n'en continue pas moins. On longe la côte de Patagonie, particulièrement monotone. Les marins y voient évoluer les phoques, bientôt des pingouins et puis des grands indiens à grands pieds, ce que l'on appellera bientôt les Patagons. Hein, ce sont en tout cas des paysages désolés, voire hostiles. Nous, il n'y a guère de possibilité de se ravitailler ou de renouveler le ravitaillement. Le froid, de plus, augmente au fur et à mesure que ça
s'installe l'hiver austral. On s'installe dans le golfe de San Juan, qui est un endroit sinistre et glacé. Il faut réduire les rations alimentaires. Il n'y a plus de recul possible, en fait, pour l'amiral. Il faut continuer vers le sud pour trouver le fameux passage. Mais les tensions avec les capitaines espagnols se font de plus en plus vives. Et au moment de Pâques, ils vont même refuser de venir à la table de l'amiral. L'affrontement est maintenant imminent, d'autant que Magellan a retiré le San Antonio à Antonio de Coca pour le donner à son cousin Alvaro de Mesquita. Les choses donc ne s'arrangent pas au sein du groupe. Alors les Espagnols vont passer à l'action, entrer carrément en dissidence, reprendre par la force le San Antonio, mettre au fer le cousin de Magellan, un maître d'équipage est même assassiné à cette occasion. Magellan est obligé de réagir, évidemment. Il va confier le San Antonio à Sébastien Elcano. Mais face à la dissidence ouverte, il faut user, évidemment, de la force. Seuls deux navires restent fidèles à Magellan, dont celui de Serrao. Trois autres font le choix des capitaines espagnols rebelles. On va briser la mutinerie. Mendoza est tué pendant une altercation. Les deux autres navires rebelles sont bloqués dans le golfe, mais leurs chefs sont arrêtés. Quechada est condamné à mort et décapité. Juan de Cartagena, lui, est abandonné carrément sur la côte avec un prêtre et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Séjour, donc, on le voit bien problématique dans ce golfe de San Juan. Et toujours pas de passage vers la grande mer du sud. En plus, le Santiago de Serrao, qui était parti en reconnaissance vers le sud, a été jeté par la tempête sur les côtes et s'est brisé sur les rochers. Un navire de moins sur les cinq du départ et déjà trois capitaines en moins. Alors, la situation apparaît donc assez problématique, on le voit. Alors, une halte de deux mois ensuite dans l'estuaire du Rio Santa Cruz. Et puis Magellan annonce à ses compagnons qu'il va avancer jusqu'à 75 degrés de latitude sud pour trouver le fameux passage. Et puis si on ne trouve pas, eh bien il annonce qu'on repartira vers l'est pour gagner les Indes par le sud de l'Afrique et par la route de l'océan Indien. En fait, on est seulement à ce moment-là, mais il ne le sait pas, à deux jours du détroit qui porte son nom. On a perdu, on le voit, beaucoup de temps. En octobre 1520, 18 octobre, on lève l'ancre et puis on va découvrir une baie d'allure sinistre avec au fond un chenal où vont s'engager le San Antonio et la Concepcion pour faire une reconnaissance. On les attend pendant 5 jours. Les deux vaisseaux sont ensuite de retour et signalent que dans ce chenal, l'eau est salée partout. Donc on peut penser que c'est en fait un bras de mer. Et les navires s'engagent alors dans ce qu'ils appellent le canal de la Toussaint, du fait de la date, et canal de la Toussaint qui est devenu aujourd'hui le détroit de Magellan. Un endroit assez sinistre, aux rives désolées, bordé de montagnes enneigées. On aperçoit des feux sur la terre qui se trouve vers le sud. Ce sont des bivouacs indigènes, d'où le nom de terre de feu donné à cette région. Et puis on mène une navigation prudente, car il y a beaucoup de hauts fonds dans ce gigantesque fjord. Il va falloir 27 jours pour parcourir les 700 km qui conduisent jusqu'à la mer libre. En attendant, le San Antonio a été perdu car avec le pilote Esteban, son équipage a déserté pour rentrer tout simplement en Espagne. Or, ce San Antonio, c'est le navire qui avait les plus grosses réserves de vivres. Donc, une situation, on le voit, des plus problématiques. Toujours est-il que le 28 novembre, eh bien, on arrive dans la mer libre, dans l'océan inconnu, qui correspond à la grande mer du Sud, découverte par Balboa. Et alors là, les choses vont se gâter, parce que pendant trois mois, le navire, naviguant
Nord-Ouest va traverser d'immenses étendues océaniques sans rencontrer la moindre terre, avec des équipages confrontés à la famine, au scorbut. 10% des hommes vont mourir de faim durant cette affaire, mais heureusement, on n'a pas affronté de grosses tempêtes, ce qui vaudra au nouvel océan son nom d'océan Pacifique. Enfin, le 6 mars 1521, on arrive en vue d'une terre, plus 100 jours après la sortie du détroit donc de Magellan. Cette terre, c'est l'île des Larrons, parce que les indigènes cherchent à voler tout ce qu'ils peuvent à bord du navire, sans doute l'île de Guam dans les Mariannes. Puis ensuite, on reconnaît les îles Saint-Lazare et de la Résurrection, qui font partie sans doute de l'archipel des Philippines, qui seront redécouvertes plus tard et à qui l'on donnera le nom du prince Philippe, le fils de Charles Quint. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Henrique, l'esclave malais, comprend le langage des indigènes, ce qui veut dire que de fait, ben lui au moins, il a d'ores et déjà réalisé le tour du monde. Les contacts sont plutôt bons, on érige une croix, on entreprend d'évangéliser les populations indigènes, le potentat local de l'île de Cebu est même baptisé, et Magellan tient à bâtir des alliances avec ces indigènes parce qu'il craint les réactions des Portugais, qui sont à Malacca, donc un peu plus loin vers l'ouest. Mais pour s'allier avec ces indigènes, il faut leur rendre service, et le roi de Cebu compte bien sur ces nouveaux venus et sur leur puissance de feu pour vaincre ses rivaux et leur imposer sa volonté. C'est ainsi que Magellan est amené à débarquer sur l'île de Mactan pour aller y mettre au pas un rival du prince de Cebu. La puissance de feu des canons ne sert pas à grand chose, car la côte corallienne empêche les navires d'approcher au plus près. Il faut donc débarquer, c'est ce que fait Magellan le 26 avril 1521, avec 59 hommes armés, mais il faut affronter environ un millier d'indigènes. On a incendié les paillotes, on a tiré plusieurs feux d'arquebuse, mais les munitions s'épuisent, et puis on a affaire à des effectifs adverses nombreux, et on subit une pluie de flèches qui oblige bientôt les Portugais à se replier. Magellan couvre la retraite, mais il est blessé, et il est tué à ce moment. L'affaire n'en est pas terminée pour autant, puisque nous sommes bien loin encore d'avoir bouclé à ce moment-là le tour du monde, mais le prestige espagnol sur le plan local est largement remis en cause. Henrique, l'indigène qui servait de traducteur, va trahir ses compagnons au profit du roi de Cebu, qui va tendre un traquenard. La flotte, certes, va bombarder en représailles les côtes rebelles, mais au bout du compte, il faut abandonner l'un des navires qui reste, la Conception, parce que les effectifs sont maintenant trop limités. Il reste 115 survivants sur les 265 hommes qui ont pris le départ de l'expédition. On va errer dans l'archipel de la Sonde, on va toucher à Mindanao et Bornéo, survivre en faisant un peu de piraterie contre les jonques chinoises qui passent dans le secteur. Et puis à un moment donné, il faut décider à rentrer, évidemment. On décide que la Trinidad, qui doit être réparée, filera à travers le Pacifique en direction de Panama. Quant à la Victoria, eh bien elle reviendra par l'océan Indien sous le commandement d'Elcano. Et là, attention, il faut éviter les routes des navires portugais, car les Portugais sont très sourcilleux en ce qui concerne le trafic des épices, et s'ils tombent sur des navires espagnols, eh bien, ça sera évidemment très mauvais pour leurs équipages. Alors, la Victoria, qui s'est installée à Timor pour se préparer, quitte l'île en février 1522, avec 5 mois de vivres, pour traverser l'océan Indien par le sud, en faisant de grands détours, pour éviter encore une fois les routes portugaises. Elle va réussir à se ravitailler un petit peu sur la côte du Mozambique, malgré tout. Elle va franchir le cap des tempêtes, le cap de Bonne-Espérance.
affronter un ouragan énorme dans l'Atlantique Sud. On va profiter du courant de Benguela et de l'Alizée du Sud-Est pour remonter le long de la côte occidentale de l'Afrique. Puis ensuite, on va être confronté aux calmes équatoriaux. À ce moment-là, sur 47 marins partis de Timor, il n'en reste plus que 31. Et sur les 19 indigènes que l'on comptait ramener en Europe, 16 sont déjà morts. On arrive aux îles du Cap-Vert en juillet 1522. Là, Del Cano, au bluff, va raconter aux Portugais qu'il revient d'Amérique et qu'il a affronté une tempête. Ça va marcher, alors que les Portugais ne soupçonnent pas que Sakal est bourré d'épices. Hein. Et grâce à ce stratagème, eh bien, les Espagnols vont remettre à la voile en urgence, quitter les îles du Cap-Vert le 13 juillet et arriver le 4 septembre 1522 en vue du Cap Saint-Vincent à l'issue de leur formidable périple. Ils ramènent bien sûr de grandes quantités d'épices au point que l'opération va s'avérer de fait rentable au final. C'est un triomphe pour Sébastien Elcano qui mourra par ailleurs en 1526 lors d'un autre voyage aux Indes. Pour le Trinidad qui devait revenir par Panama, il a été pris par les Portugais. À la demande de Charles Quint, ses marins seront libérés, mais sur les 6 survivants de cette expédition, 2 seulement rentreront en Espagne. L'affaire se termine donc ainsi. Dans l'immédiat, ce voyage n'a pas de conséquences importantes. Il faudra attendre longtemps avant que soit utilisée de nouveau la route du détroit de Magellan. Hein, on passera d'ailleurs ensuite plus facilement par le détroit de Drake au sud de la Terre de Feu pour accéder à l'océan Pacifique. Le voyage de Magellan n'en reste pas moins un épisode tout à fait extraordinaire de l'histoire de la découverte du monde par les Européens. La dernière fois, nous avons laissé le prince Louis-Napoléon Bonaparte au moment où il partait en patrouille pendant la guerre anglo-zoulou. Je vous disais que la patrouille était composée seulement de 6 hommes. Elle va croiser 2 autres patrouilles anglaises, dont l'une commandée par le colonel Harrison lui-même. Aucune de ces 2 patrouilles plus expérimentées ne relève que la troupe du prince n'a pas d'éclaireur et que la moitié des soldats n'a pas pris sa carabine. La fatalité, l'imprudence, la négligence, comment se fait-il qu'en plein territoire zoulou, on ait pu agir ainsi? À 14 heures, la patrouille arrive près d'un village de quelques huttes près de la rivière Ibadzani. Il semble que l'endroit soit désert, malgré des signes d'occupation humaine récente, puisque les feux sont encore fumants, il y a quelques animaux domestiques qui traînent, et pourtant, Carré choisit de s'arrêter à quelques dizaines de mètres des cases. Il commet une erreur supplémentaire qu'un officier expérimenté n'aurait pas commise. Il décide de bivouaquer à l'ombre d'un champ de maïs parsemé de ces hautes herbes caractéristiques d'Afrique, les Tambuti grass, qui, à cet endroit, atteignent jusqu'à 2 mètres et qui peuvent permettre, évidemment, à un ennemi d'avancer sans se faire repérer. La patrouille est tout à fait détendue. Tous les chevaux sont décellés, sauf celui du prince qu'il a juste désanglé. Les hommes s'allongent près du feu pendant que Louis-Napoléon fait quelques croquis. Le capitaine Carré n'a même pas posté de sentinelle. On croit rêver. Il ne sait donc rien de la capacité des Zoulous à se déplacer furtivement et rapidement. À 15h30, le guide, parti chercher de l'eau à la rivière, revient en donnant l'alerte. Les Zoulous. Il est trop tard. Tout s'enchaîne. Carré ordonne de sceller les chevaux. Ensuite, des coups de feu éclatent. Carré hurle à ses hommes de monter en selle. Toute la patrouille prend la fuite. Mais le soldat Rogers s'effondre, tué par une balle, et le prince n'arrive pas à monter sur son cheval qui a suivi le mouvement des autres chevaux. Pourtant, Louis-Napoléon s'était entraîné des dizaines de fois à monter sur un cheval au galop, enfin en voltige. Mais là, il n'y arrive pas.
Le soldat le toque, passe à côté de lui et lui crie en français « Dépêchez-vous, monsieur, s'il vous plaît ». Un autre soldat, le soldat Abel, tombe ensuite de cheval, aussitôt assailli par une nuée de Zoulous qui le massacre. Le prince s'accroche comme il le peut à sa selle, à la sacoche de son cheval, et il est entraîné un peu plus loin dans une déclivité du terrain. Mais soudain, les coutures de la selle qui relie les sacoches cèdent et le prince s'écroule au sol, lourdement, le poignet droit brisé. Il se relève et fait face, mais cherche son sabre qu'il a perdu dans sa chute. Il est trop tard pour le récupérer, les Zoulous se ruent vers lui. Louis-Napoléon arrive à éviter la première à sa guet, la renvoie même sur ses adversaires. Il sort son revolver, tire trois fois de sa main valide, mais très vite, il succombe sous le nombre, sept Zoulous sont contre lui. La seconde à sa guet l'atteint à l'épaule gauche. La troisième s'enfonce profondément dans son œil droit, en même temps qu'il est frappé à la poitrine. Le prince tombe mort au sol. Les Zoulous s'acharnent alors à coups de sagaie sur la dépouille du petit-neveu de Napoléon. La France vient de perdre l'héritier de la dynastie napoléonienne. Les guerriers Zoulous vont en revanche mutiler atrocement le corps des deux soldats anglais tués alors qu'ils fuyaient. Ils vont épargner celui du prince qui est mort en luttant comme un lion et se contenteront de le déshabiller, de lui voler ses armes, mais lui laisseront les médailles qu'il a autour du cou en respect pour son courage. Car le petit-neveu de Napoléon est percé de 17 coups de sagaie, tous reçus de face, au bras, au visage et à la poitrine. Le rapport du capitaine Molineux du 22e régiment précise aussi que les marques sur le sol, comme sur les éperons, indiquaient une résistance désespérée. Quand le capitaine Carré rentre au camp et annonce la mort probable du jeune prince, le colonel Henri Buller lui lance furieux « Vous auriez dû être tué, je souhaiterais que vous l'ayez été, je devrais vous tuer moi-même ». Carré passera en cour martiale pour l'acheter et essaiera pour sa défense de faire endosser au prince la responsabilité du désastre et de sa mort. Hein, il va dire que le prince lui avait demandé quelques minutes pour terminer ses croquis. Mais Carré va se voir infliger un blâme et va être renvoyé aux Indes où il va mourir 4 ans plus tard. Le lendemain du drame, une colonne part sur les lieux de l'embuscade. On retrouve les corps de deux soldats qui sont enterrés sur place et celui du prince est ramené au camp. Une cérémonie est tout de suite organisée. Les régiments anglais entourent la dépouille de son Altesse impériale recouverte d'un drapeau tricolore. Il y avait là un journaliste du Figaro, Paul Déléage, qui était venu faire un reportage sur la guerre au Zoulouland et qui écrit donc dans un de ses articles « La cérémonie funèbre eut lieu en face du camp. Je n'oublierai jamais ce simple canon de campagne sur lequel se trouvait fixé le corps du prince. » Et le cortège, autour du corps, les officiers du Royal Artillery, c'est-à-dire presque tous les compagnons d'études du prince. L'histoire saura dire que sur cette terre lointaine, le dernier des Napoléons sut encore faire honorer par sa mort même le drapeau français. Le corps du prince fut ramené en Angleterre et il fut enterré auprès de son père. À partir de 1888, les deux corps seront transférés dans la crypte de la chapelle de l'abbaye Saint-Michel. Un peu plus tard, après que le corps soit reparti en Angleterre, le roi, à la demande des Anglais, le roi Zoulou va faire rechercher les guerriers qui ont participé à l'embuscade pour les interroger. C'est comme ça qu'on a autant de détails sur le courage du prince. Et tous les effets du prince vont être rendus à sa mère, sauf la montre, qui ne fut pas retrouvée. Aujourd'hui, à Etelizi, se dresse un monument surmonté d'une croix blanche qui marque l'endroit où tomba courageusement le prince Louis-Napoléon Bonaparte, un monument qui a été offert par la reine Victoria. Car moins d'un an après la mort de son fils, Eugénie avait tenu à faire le voyage pour se recueillir sur les lieux. En tous les cas, s'il reste des zones d'ombre sur les décisions et les négligences qui conduisirent à la mort du prince impérial, il reste que celle-ci arrangea bien du monde et que beaucoup crièrent au complot. Et évidemment à la collusion d'intérêts. Car les Anglais étaient débarrassés du descendant de leur plus farouche ennemi. Hein, et pour les républicains français, ce fut un coup d'arrêt définitif aux agissements politiques des bonapartistes. En France, comme dans toute l'Europe, la mort tragique du prince impérial causa une émotion considérable. La presse en fit ses gros titres et le prince fut pleuré partout en France.
Ernest Renan écrit à ce sujet « L'émotion est vive dans toutes les classes de la société, surtout dans les classes populaires ». D'autant plus que le prince était connu pour ses positions très favorables à la condition des classes populaires. Marie Barkitchev, une jeune peintre russe qui vivait en France, écrivait révoltée dans son journal « Les Anglais sont des lâches et des assassins. Ce n'est pas naturel, tout ça. » Et un peu plus loin, « Ces Anglais ont toujours été hideux pour les Bonaparte. » Et encore, « Mourir dans un pareil moment, mourir à 23 ans, tué par des sauvages et combattant pour les Anglais. » Mais je terminerai par quelques vers d'une poésie de Paul Verlaine, qui écrit sur la mort du prince impérial. « Prince, mort en soldat à cause de la France. Âme, certes élue. Fier jeune homme, si pur, tombé plein d'espérance. Je t'aime et te salue. J'admire ton destin, j'adore, tout en larmes, pour les pleurs de ta mère, Dieu qui te fit mourir, beau prince, sous les armes, comme un héros d'Homère. » J'ai le grand plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Sylvain Guggenheim pour son dernier ouvrage, Les Empires médiévaux, aux éditions Perrin. Sylvain Guggenheim, il est inutile de le présenter, historien médiéviste, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Il avait un petit peu défrayé la chronique il y a quelques années avec un ouvrage intitulé Aristote au Mont-Saint-Michel, remettait en cause la part généralement attribué au monde musulman quant à la transmission de l'héritage antique à l'Europe médiévale, ce qui lui avait valu une cabale médiatique tout à fait considérable, dans la mesure où il heurtait dans ses conditions évidemment tout le prêt-à-penser habituel et que nous connaissons bien. Alors, il, au demeurant, c'est un spécialiste de l'Europe germanique au Moyen-Âge, hein. Il a notamment publié un ouvrage qui fait autorité sur les chevaliers teutoniques, hein, aux éditions Talendier. Il avait publié il y a maintenant un certain temps un remarquable travail sur Hildegarde de Bingen, la Sibylle du Rhin, il nous propose là il a publié il y a peu La gloire des Grecs aux éditions du Cerf, qui met en lumière l'apport de Byzance justement à l'Europe du Haut Moyen-Âge en matière de transmission de l'héritage antique. Alors il nous propose aujourd'hui un ouvrage, donc Les Empires médiévaux, qui est un ouvrage collectif qu'il a dirigé avec autour de lui quelques historiens ou historiennes particulièrement remarquables. Je pense notamment à Marie-Thérèse Urvois qui a réalisé le chapitre consacré aux Abbassides de Bagdad, ou à Carmen Bernand, grande spécialiste de l'Amérique précolombienne, qui a évoqué les empires précolombiens, mexicains ou péruviens. Et cet ouvrage surprend d'abord par son caractère universel, puisqu'on parle aussi bien de la Chine de l'époque, de l'empire de Sriwijaya en Indonésie, que des formations politiques comme le Saint-Empire romain germanique. C'est le chapitre Sylvain Guggenheim s'est réservé pour le traiter, et puis aussi des empires un petit peu inattendus. On pense par exemple à ce qu'a été l'empire serbe dans les Balkans, l'empire maritime de Venise dans l'Adriatique et puis en Méditerranée orientale par exemple, voire l'empire plantagenet au XIIe siècle. Alors tout d'abord, une première question que j'aimerais vous poser, Sylvain Guggenheim, c'est une question de définition. Vous posez vous-même la question au début. D'abord, l'empire, qu'est-ce qu'un empire? Parce que nous, Français, nous avons plutôt le réflexe de penser en
en termes de royaume plutôt qu'empire, hein, si l'on accepte la séquence carolingienne que nous partageons avec nos voisins allemands. D'abord l'empire, et puis ensuite le Moyen-Âge quelque part, parce que c'est un découpage chronologique qui cadre bien avec ce qu'est notre histoire européenne, en gros, même si on peut discuter entre le Moyen-Âge, l'Antiquité tardive d'un côté, si on peut considérer que l'époque moderne naît dès le XIVe siècle en Italie. Mais d'abord l'Empire, ensuite le Moyen-Âge. Quelles sont les limites que vous avez fixées dès le départ pour aborder ce sujet tout à fait passionnant ? À mon sens, un empire, c'est un ensemble politique qui n'est inclus dans aucun autre ensemble. Un royaume peut appartenir à un empire, une principauté peut appartenir à un royaume, un empire n'est inclus dans rien d'autre. Donc l'empire incarne ou prétend incarner la souveraineté absolue, l'indépendance totale. Ça peut s'accompagner d'une grande extension territoriale, c'est le cas des Mongols. Ça peut être plus limité en termes de superficie, mais il y a toujours cette idée de totale indépendance, d'une souveraineté du fait absolue. De n'être inclus dans rien qui le surplombe et qui l'englobe. Donc ça, c'est le premier point. Après, la délimitation du Moyen-Âge, nous sommes d'accord, c'est-à-dire que c'est un cadre chronologique qui a été construit pour l'histoire européenne, qui a un sens pour l'histoire européenne, même si on peut discuter des bornes, bien sûr, de l'intervalle, mais c'est un cadre chronologique qui ne correspond pas à d'autres civilisations. Mais de toute façon, nous n'avons pas, pour l'instant, à mon sens, de périodisation valable pour l'ensemble de l'humanité, à l'échelle de la planète. Il n'y a pas de périodisation universelle de l'humanité qui soit convaincante. Donc, en sachant qu'il y avait un risque éventuel d'anachronisme ou d'imperfection, on a quand même conservé le cadre médiéval, bien sûr, avec des bornes fluctuantes, puisqu'on a adapté ces bornes aux civilisations, aux empires qui étaient concernés. Et en gros, on a pris un intervalle allant de à peu près du 5e, 6e siècle jusqu'au 15e, début du 16e siècle, selon les besoins. C'est-à-dire qu'on s'est autorisé une certaine souplesse avec les bornes de l'intervalle. Alors, il y a dans ce cadre précis, il y a plusieurs empires évidemment qui vont retenir notre attention. Le premier sur lequel nous pourrions nous pencher, c'est l'Empire carolingien, parce que cet Empire carolingien, il se pose en Occident comme l'héritier d'un empire romain qui a disparu en 476 en Occident avec l'abdication de Romulus Augustule. Et cet empire carolingien, ce qui le caractérise quelque part, c'est son caractère tout à fait éphémère, puisque l'empire est proclamé en 800 à Rome, et puis ensuite les partages qui interviennent ultérieurement font que tout cela combiné avec le choc d'une nouvelle vague d'invasion scandinave, sarrasine, hongroise contre l'Europe, son existence a été finalement d'une très courte durée. Comment peut-on expliquer cet échec de la conquête franque qui, avec Charlemagne, avait réussi à bâtir un espace tout de même impressionnant ? Oui, c'est un empire qui dure 88 ans finalement, puisque le dernier empereur, Charles le Gros, meurt en 888. Donc c'est un empire qui a une gloire, une postérité, une renommée inversement proportionnelle à sa durée réelle. Alors qu'est-ce qui explique qu'il ait si peu duré? Je crois que c'est Édouard Perroin, qui était un grand médiéviste français, qui disait ce qui est étonnant, c'est qu'il ait duré déjà 88 ans. En fait, il n'a pas les moyens de contrôler le territoire qu'il a eu pourtant la force militaire de conquérir. Mais Charlemagne et son successeur direct, Louis le Pieux, ont beaucoup moins d'officiers ou d'administrateurs que n'en avait l'Empire romain, bien évidemment. Beaucoup moins aussi d'effectifs militaires. Et pour arriver à tenir en main le territoire qu'il avait conquis, Charlemagne, en fait, a été obligé de déléguer des pouvoirs, enfin Charlemagne, disons ses successeurs plutôt, déléguer des pouvoirs à des puissances locales. Par ailleurs, c'est posé le problème très vite de la succession et du partage. Charlemagne n'a qu'un fils qui lui succède, donc il n'y a pas de problème, on peut maintenir l'unité de l'Empire. Louis le Pieux a trois fils qui sont en âge de lui succéder, qui vont même se liguer contre lui. C'est-à-dire que l'Empire carolingien, finalement, meurt de divisions internes, d'un manque de moyens,
administrative, sans doute aussi économique, de la difficulté à maîtriser les voies de communication. C'est ça. Il meurt de force centrifuge. Il n'est pas au rendez-vous, là. Et il meurt de pression extérieure. Ouais. Et puis je crois, il y a aussi peut-être une réalité géopolitique. Rome avait réussi à centrer son pouvoir sur un espace méditerranéen, sur la Mare Nostrum que Rome était en mesure de contrôler. Là où l'espace continental qui était tombé entre les mains des Francs à travers Charlemagne est menacé constamment par des invasions extérieures que l'on n'arrive pas à maîtriser et à contrôler. – Oui, il est menacé au nord, voilà. Il est menacé au sud, et puis les gros circuits commerciaux en fait contournent, c'est la fameuse route qui va de Bagdad à Birka, qui contourne l'empire carolingien, c'est ça. Et donc ils souffrent aussi de certaines faiblesses économiques. C'est ça, et avec vers le sud un monde qui est désormais hostile. C'est la fameuse thèse de Pirène, Mahomet et Charlemagne, où la Méditerranée, qui était un lieu de contact, d'échange auparavant, devient un front à partir de l'expansion musulmane. Ça reste une zone d'échange, mais voilà. Ça devient une zone de combat, et de combat qui se joue à trois en fait, entre le monde musulman, le monde byzantin et puis les puissances latines. Ça nous amène directement à un autre empire, héritier lui aussi de l'empire romain, de la grandeur romaine, c'est l'empire que l'on appelle byzantin. Vous mettez des guillemets à byzantin. Oui, c'est l'auteur. Nous rappeler pourquoi. C'est l'auteur du chapitre sur Byzance, Nicolas Drocourt, qui insiste sur ce point. L'empire dit byzantin, puisque le terme byzantin est un terme très récent, début de l'époque contemporaine. C'est un terme les byzantins, les Grecs de l'empire romain médiéval n'ont jamais utilisé. Ignoraient complètement. En fait, l'empire que nous appelons byzantin, c'est l'empire romain. L'empire grec de l'empire romain grec ou l'empire romain d'Orient. Puisqu'il a perdu, sauf sous Justinien, mais il a perdu les territoires occidentaux. D'ailleurs, les Turcs ne s'y tromperont pas, puisqu'ils baptiseront Sultanat de Roum toute l'Asie mineure quand ils en prendront le contrôle au XIe siècle. Et les Byzantins, même dans les textes officiels, se disent Romaï en grec, donc nous sommes les Romains, même si la langue officielle de l'Empire est assez vite devenue le grec, mais ils se considèrent comme des Romains. Et alors, cet empire byzantin, sacrifiant à l'usage, cet empire byzantin, lui, il va durer. L'empire romain d'Occident s'est effondré en 476, l'empire byzantin, c'est en 1453. Pratiquement, il va survivre pendant près d'un millénaire à l'empire romain. Et Dieu sait pourtant que les menaces n'ont pas manqué. Les Arabes sont venus assiéger Constantinople au 8e siècle, les Bulgares dans les Balkans étaient des adversaires également redoutables. Ensuite, dès le XIe siècle, les Turcs sont arrivés dans l'espace qui était celui en Asie de cet empire byzantin. Mais malgré tout, il a tenu. Et comment peut-on expliquer cette capacité, cette résilience pour l'empire byzantin, pour l'empire d'Orient ? Alors, il a été constamment, effectivement, presque constamment sous pression. Il a subi des rétractions importantes. Et puis, à partir de 1204 et de la prise de la ville par les Francs, les Vénitiens, là, il va vivre vraiment sur la défensive. Donc, il a été tout le temps sous pression. Il y a eu des périodes où il a réussi à reprendre l'avantage militaire, par exemple au Xe siècle, sous Nicéphore Phocas et d'autres gentils. Avec la dynastie macédonienne. Et avec la dynastie macédonienne. Donc, ils vont reprendre la Crète, par exemple, aux musulmans. Ils vont réussir à vaincre les Bulgares avec Basile II, donc à soumettre l'Empire bulgare. Il y avait même de fait un début de reconquête byzantine dans le nord de la Syrie qui commençait à s'opérer en même temps que la prise de la Crète. Et pas de chance, il y a l'arrivée des Turcs issus des steppes de l'Asie centrale. Ça va venir compromettre justement tout cet effort de reconquête. Ils ont réussi vraiment à reprendre pied, première moitié du XIe siècle, et avec Manzikert, qui est une défaite importante. Voilà. C'est pas une catastrophe, mais c'est une défaite malgré tout importante. Et là, ils se trouvent face aux Turcs. Alors, qu'est-ce qui explique qu'ils aient tenu ? On a souvent mis en relief une réelle efficacité militaire quand même, le fait que la ville elle-même soit quasiment imprenable. Alors même si les Francs l'ont prise, les Turcs finiront par la prendre. En 1204, lors de la quatrième croisade. Le feu grégeois permet de gagner les combats navals et reste un secret des Byzantins. Et ça, c'est le versant militaire. Et puis, il y a un versant qui est lié, on pourrait dire, à l'intelligence des Byzantins, à leur diplomatie, à leur capacité à acheter des voisins dangereux, donc à acheter la paix, ou à monter un voisin dangereux contre un autre voisin ou contre un arrivant extérieur un peu plus lointain.
ou à contracter des alliances matrimoniales efficaces. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont une diplomatie, là aussi ça a été bien étudié justement par Nicolas Drocourt, ils ont une, entre autres, ils ont une diplomatie qui est extrêmement habile, et ce, pendant des siècles. Et ils connaissent très bien les peuples voisins, ils ont beaucoup d'informations sur ces peuples, donc ils arrivent à adapter leur politique à leurs adversaires. – Et est-ce que l'on peut penser qu'il y a déjà, d'une certaine manière, l'émergence d'une conscience nationale, entre guillemets, grecque, durant cette époque, qui pouvait en quelque sorte soutenir cette persistance de l'Empire byzantin ?– Oui, ça a été notamment la thèse d'Hélène Arweiler-Glikatsi, une grande, très très grande byzantiniste, et une qui pense qu'il y a une sorte de nationalisme byzantin, qui apparaît justement à la suite de l'ensemble de ces pressions. Mmh. Et on pourrait vraiment dire un nationalisme de type impérial, puisque la population de Byzance n'est pas que grecque. Il y a des Arméniens, il y a des Géorgiens, il y a des Slaves dans le Péloponnèse, il y a des Arabes à Byzance. Donc c'est un empire multiethnique, mais de langue grecque, et où le nationalisme s'est fédéré autour de la notion d'empire et la fidélité aux dynasties. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, sur le modèle de ce qu'a fait Colette Beaune avec sa naissance de la nation France, au XVe siècle en gros, des travaux qui permettraient de mettre en lumière justement cette addition de représentation collective, d'imaginaire commun, qui aurait pu contribuer à soutenir l'État byzantin. Alors il me semble que beaucoup de byzantinistes ont abordé la question, ont traité. Oui. À ma connaissance, je ne vois pas d'ouvrage, mais je ne suis pas byzantiniste, donc faut que je sois prudent. Il n'y a pas d'ouvrage de synthèse, mais il existe peut-être. Hein. Mais le problème a déjà été effectivement vu par un grand nombre de byzantinistes. Alors il y a un autre empire qui vous est particulièrement cher, que l'on doit évoquer, c'est bien sûr le Saint-Empire romain germanique, selon la dénomination classique, apparu en 962, bâti donc par un prince saxon, Othon Ier. Alors lui, il va durer. Alors durer, bon, il faut s'entendre sur la nature de cette construction politique, mais il va durer jusqu'à Napoléon, jusqu'en 1806. Oui, jusqu'à la bataille de Iéna, oui. Jusqu'à la disparition qui est le résultat des victoires napoléoniennes. Cet empire romain germanique, quelque part, lui, il fédère un ensemble dont on voit bien qu'il correspond à une certaine identité, mais il vaut aussi par sa très grande faiblesse. Oui, j'ai qualifié d'empire inachevé finalement, puisqu'il y a une ambition universelle qui est constamment démentie par les faits. Il y a une puissance territoriale qui finalement repose sur la jonction de trois royaumes. Et c'est un empire qui est fait d'union de trois royaumes. Il y a le royaume d'Allemagne, le royaume d'Italie du Nord, et puis ce qu'on appelait au Moyen-Âge le royaume d'Arles ou de Bourgogne, en gros qui correspond à la Provence actuelle un peu étendue, mais Lyon et Marseille, par exemple, étaient des villes de l'empire. La rive gauche germanique. La rive gauche du Rhône, qui était toujours la rive, traditionnellement, la rive impériale. – Voilà, on est là en terre d'empire, mais c'est tout. Et de manière éphémère, sous Henri VI puis Frédéric II, la Sicile, le royaume de Sicile fait partie de l'empire, mais ça ne va pas durer. Donc c'est un empire qui est fait de l'adjonction de trois royaumes, ces trois royaumes ne fusionnent pas, ces trois royaumes ne sont pas gouvernés de la même manière, et les populations de ces trois royaumes ne se sentent pas, c'est moins qu'on puisse dire, amies les unes des autres. Enfin, les villes d'Italie du Nord sont, pas toutes, mais majoritairement, souvent dirigées contre les empereurs. – Sont souvent en rébellion, en guerre. Et puis c'est un empereur sont des empereurs qui, quelle que soit la dynastie, ont voulu défendre l'unité de l'Empire et un idéal d'universalité. Ils se sont heurtés au pape, et l'origine des conflits vient souvent de la papauté, et ce sont aussi des empereurs qui n'ont jamais en fait contrôlé d'autres territoires.
à part des territoires slaves, comme le royaume de Pologne, par exemple, ou la Bohême, qui peuvent prêter allégeance, qui peuvent se reconnaître en tant que territoire vassaux de l'Empire, mais l'empereur d'Allemagne est incapable d'intervenir dans la législation intérieure du royaume de Castille, du royaume de France, d'Angleterre, etc. Et c'est un empire qui manque d'argent, beaucoup. – C'est un empire quelque part qui va s'étendre de manière disproportionnée avec les Habsbourg, et cette extension territoriale avec la dispersion à laquelle ça correspond sur la carte d'Europe, c'est une source d'impuissance. – Oui, en fait ils ont le même problème que les Carolingiens, alors que les Byzantins eux l'avaient plutôt résolu. Il n'y a pas d'impôts à l'échelle de l'Empire, il n'y a pas d'administration vraiment efficace à l'échelle de l'Empire, il n'y a pas de réelle maîtrise des connexions extérieures et des moyens de communication, il n'y a pas de vraie politique économique de développement. Frédéric II fait une politique économique de développement, mais dans le royaume de Sicile, pas à l'échelle de l'Empire. Ouais. C'est un empire qui montre aussi finalement toutes les impuissances auxquelles le fédéralisme peut de temps à autre conduire. Il éclate avec les principautés intérieures. – Et en plus, ce qui va venir aggraver les choses au XVIe siècle, bien sûr, c'est la coupure de la réforme, qui va faire que cet empire germanique, il est divisé en deux camps qui sont vite irréconciliables, quels que soient les efforts d'un Charles Quint, mobilisé par ailleurs en Espagne, en Italie. Donc, sur la carte, une construction tout à fait impressionnante, mais dans les faits, en termes de puissance, de rapport de force, des limites qui sont vite trouvées. Alors, vous parlez d'empire aussi pour d'autres formations plus modestes. Vous parlez par exemple d'empire normand, mais vous précisez empire normand ou empire des normands. Ça n'a pas tout à fait la même signification. Oui, c'est l'auteur du chapitre, Pierre Baudouin, qui est l'un des meilleurs spécialistes qu'on puisse rencontrer sur les Vikings et le monde normand, et qui a vraiment tenu à cette distinction pour marquer qu'en fait, à son sens, il n'y avait pas d'empire normand au Moyen-Âge, mais qui avait une espèce d'ébauche de construction de type impérial, au moins par l'ambition, l'idéologie, effectuée par des dynastes normands, des ducs normands. – C'est ça. – Et il tient à séparer, il y a des positions différentes entre les spécialistes. Lui tenait vraiment à séparer la construction réalisée en Normandie, en Angleterre, de la construction réalisée en Sicile. – Ce sont deux mondes, à ses yeux, vraiment différents, même s'il y a des origines généalogiques. – Même si les hautes villes viennent de Normandie. Communes, oui, bien sûr. Il y a un autre empire médiéval aussi tout à fait intéressant et original dans sa constitution, c'est l'empire vénitien. Aussi, empire vénitien qui s'installe donc sur l'Adriatique, qui s'installe aussi en Méditerranée orientale. On a là une sorte de thalassocratie originale par rapport aux grands ensembles territoriaux continentaux que nous avons évoqués jusque-là. – Ça fait vraiment partie de ce que j'avais pu appeler, faire une typologie, les empires éclatés. Et Venise, c'est un empire de comptoir, un empire d'escale, c'est un empire, alors déjà la ville elle-même a peu de bases fermes sur la terre, même si on sait que Venise a contrôlé une partie de la terre ferme, et que c'était important pour elle. Mais sinon, on voit que Venise n'a pas cherché à conquérir des territoires, à l'exception de ce qui se passe en 1204, mais sinon que Venise construit un empire par escale, par comptoir, par des positions maritimes bien choisies et par la domination, ce que montre Bertrand Doumergue dans son chapitre, par la domination donc de zones d'approvisionnement, par exemple de zones minières dans les Balkans. Oui. Alors, pour préciser, ce qui se passe en 1204, c'est la prise de Constantinople à l'initiative des Vénitiens qui ont détourné dans ce but la quatrième croisade, ce qui aura d'ailleurs des conséquences durables, notamment quant aux relations ultérieures entre le monde orthodoxe et puis le monde catholique, évidemment. Alors, cet empire maritime de Venise, on trouve aussi dans votre livre un autre empire maritime, c'est celui qui s'est constitué en Indonésie, là, pour prendre un exemple un petit peu exotique. Ah oui, mais c'est un empire vous êtes arrêté. Fascinant. C'est donc Pierre-Yves Manguin qui est spécialiste de cet empire indonésien, donc Sri Vijaya.
Algeria, qui s'étend notamment au XIIIe siècle. Ouais. Sans qu'on puisse vraiment peut-être parler de thalassocratie, il hésite sur l'emploi du terme, il faut se méfier à cause des résonances qu'a le terme, mais on a une construction là aussi tout à fait originale, pour laquelle malheureusement on manque de sources écrites. On en avait parlé avec lui quand il a rédigé le chapitre, il y a peu de sources écrites, il y a quelques références dans les documents chinois. Essentiellement, on fait l'histoire de cet empire grâce à l'archéologie, et on arrive à, grâce à l'archéologie, à reconstituer les voies de communication, les transferts de marchandises, et la puissance maritime de Srivijaya au XIIIe siècle. – Oui, je crois que c'est un chantier de recherche très important aujourd'hui, la reconstitution de tout cet espace de l'océan Indien et des échanges… qu'il connaissait à l'époque. – Et c'est vraiment fascinant, parce qu'en plus, ça interfère avec la puissance chinoise. Si on, le cœur de l'économie mondiale au XIIIe siècle, c'est la Chine. – C'est ça. – C'est vraiment là, tous se retrouvent. C'est de là que part beaucoup de choses. – Et le cas de la Chine est très intéressant aussi comme empire. Là, elle est évoquée ici. Là, nous sommes dans les dynasties Tang, Song, Yuan après la conquête mongole, puis Ming au moment de la réaction chinoise contre la domination mongole. Et là, il y a une thématique qui apparaît très intéressante, c'est le choix que font les Chinois au XVe siècle avec les Ming de mettre un terme à leur tentative d'expansion vers l'océan Indien, voire jusqu'au côtes d'Afrique, alors qu'à l'époque les flottes de grandes jonques de l'amiral Zheng He étaient allées jusque dans ces régions-là. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent un terme à ces entreprises? Parce qu'ils ont évidemment comme préoccupation principale la défense contre ce monde des steppes qui se trouve au nord et d'où vient en permanence le danger d'envahisseurs plus ou moins dévastateurs. Et ce que l'on peut dire, et vous allez me le confirmer ou pas, c'est que si la Chine avait poursuivi son effort naval, nous sommes au début du XVe siècle, peut-être est-ce que le décloisonnement du monde qui a été réalisé par l'aventure des navigateurs portugais et espagnols, ce décloisonnement du monde, il aurait peut-être pu être réalisé par le monde chinois avec les conséquences considérables que cela pouvait avoir sur l'histoire ultérieure, du monde. Oui, oui, tout à fait. Et c'est l'un des mérites du chapitre de Mme Paola Kalanka sur la Chine, c'est de montrer, alors qu'on voit toujours la Chine comme l'empire immobile, l'empire du milieu, l'empire abrité derrière la Grande Muraille, et de montrer bien sûr que ces éléments ont existé, et toute la culture chinoise qui s'est bâtie à ce moment-là est importante, mais elle a bien mis l'accent sur cette orientation maritime, ce glissement vers la mer et vers le sud, et finalement cette volonté d'expansion maritime qui anime la Chine de notre époque médiévale. C'est ça. Et qui a été stoppé donc au XVe siècle, avec un renouveau tout à fait surprenant aujourd'hui dans le contexte du réveil de la Chine du XXIe siècle. On peut dire que la Chine actuelle retrouve des traditions anciennes qu'on avait un peu oubliées. Bien, merci Sylvain Guggenheim pour tous ces éclairages passionnants. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les empires médiévaux aux éditions Perrin. Merci. Merci.